Écoutez, il y a une erreur que j'entends très souvent, la vaste majorité des francophones qui apprennent l'anglais faire, c'est la confusion entre le présent simple de l'indicatif et le present perfect progressive. J'entends tellement cette erreur que je vais dire littéralement 99% de ceux qui commencent à apprendre l'anglais le font. Si vous êtes intéressé à savoir quelle est cette erreur, eh bien regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour éviter cette erreur dans le futur. Donc à vos carnets de notes, prêt, let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's talk about this mistake. Alors, c'est quoi l'erreur que j'entends très souvent des francophones qui apprennent l'anglais faire? C'est de traduire littéralement une phrase qui est au présent, simple de l'indicatif en français, traduire cette phrase littéralement en anglais. Par exemple, je vis en France. On va choisir un autre pays. Je vis en Gambie. Je n'ai rien contre la France, hein, mais j'utilise trop la France. Je vis en Gambie. C'est comme ça que ça s'écrit, n'est-ce pas? Avec un E à la fin. Depuis 2015. Est-ce qu'il y a des Gambiens ici? Il n'y a pas de Gambiens ici. On va mettre Gabon et les Gabonais là. Je vis au Gabon. Donc, on va mettre je vis au Gabon. Depuis 2015. Qu'est-ce que j'entends très souvent? C'est j'entends I live in Gabon since 2015. I live in Gabon since 2015. Normalement, cette phrase doit être correcte. Je vis, I live au Gabon, in Gabon, depuis, since, de 2015. Au fait, apprenez à lire les dates. Hein. C'est très important. J'ai une vidéo sur ça. Ça, c'est 2015 ou bien 2015. Alors, cette phrase est correcte? Non! Je vais vous donner la bonne phrase d'abord et vous expliquer pourquoi. Alors, si vous savez la bonne phrase, écrivez-moi ça en commentaire. Je vous donne 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom. I have what? Le verbe avoir? Non, c'est pas un verbe, c'est l'auxiliaire. I have been living in Gabon since 2015. I have been living in Gabon since 2015. Ça, c'est le present perfect progressive. Alors, pourquoi a-t-on utilisé le present perfect progressive ici? Cette erreur, hein, je l'entends tous les jours lorsque je passe les entretiens à ceux qui veulent rentrer dans notre programme d'immersion anglaise. Nous avons un programme pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, il y a un lien dans la barre de description. Remplissez le formulaire et moi-même, je vais vous contacter. Alors, pourquoi a-t-on mis « I have been living in Gabon » Tout simplement à cause d'un seul mot qu'il y a dans la phrase. C'est quoi ce mot? C'est « since ». C'est le coupable. C'est le coupable. Le coupable, c'est « depuis ». En fait, cette phrase, si on enlève « depuis » de la phrase, si on enlève ça et qu'on dit « je vis au Gabon », une autre erreur que j'entends, mais on n'a pas le temps pour ça là maintenant, je vais juste vous dire ce que ce n'est pas, et j'entends également cette erreur, mais ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui, ce n'est pas « I am living », ce n'est pas « I am living in Gabon ». Donc aujourd'hui, je vous donne un bonus là. Parce que c'est ce cours que je voulais faire, mais je vous donne ce bonus également. N'utilisez pas le « present progressive ». Je vis au Gabon, c'est « I live in Gabon ».« I live in Gabon ». Et là, vous utilisez le présent simple de l'indicatif qu'il ne faut pas utiliser ici. Donc, vous voyez la seule différence entre cette phrase correcte et cette phrase correcte, c'est quoi? C'est « since ». Dès que vous introduisez « depuis » dans la phrase, automatiquement, la phrase passe au « present perfect progressive ». Pourquoi? Parce que le « present perfect progressive », c'est un temps qui démontre une action qui a commencé dans le passé et qui continue de façon progressive dans le présent. Ok, donc l'action a démarré ici en 2015. En 2015, j'ai atterri en France. Ok, I landed. Atterrir, c'est land to land. I landed
in France. Okay, in 2015, I landed in France. On est ici aujourd'hui. We are here. Let's say 2024. We are here today. Donc vous voyez que cette action a commencé dans le passé et continue progressivement dans le présent. 2016, je vis toujours en France. 2017, vis toujours en France. Et donc c'est une action qui a commencé dans le passé et qui continue progressivement dans le présent. C'est pourquoi on a utilisé la forme progressive du verbe to live. Et ce n'est pas seulement pour les années, hein. Ça peut être tout ce que vous voulez. Tout ce qui a commencé dans le passé continue dans le présent. C'est le present perfect progressive. Par exemple, je prends des cours d'anglais chez Coach Kojo, ou dans le programme de Coach Kojo, parce que moi-même je ne fais plus de cours, hein. J'ai fait plus de 7000 cours. Moi-même, j'ai donné plus de 7000 cours. Aujourd'hui, je suis calé sur la stratégie de croissance de l'entreprise. Okay? Je suis focalisé sur la stratégie de croissance. C'est pourquoi je fais plus de vidéos YouTube. Si j'étais toujours en train de me focaliser sur donner des cours, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner cette valeur sur YouTube. Donc, je me suis entouré de coachs qui sont très compétentes, qui font un excellent travail. J'ai dit compétentes, j'ai pas dit compétent. Allez voir pourquoi. All right. Je prends, c'est le présent simple. Je prends, on met S, n'est-ce pas? On met S? Oui, je crois qu'on met S. Je prends des cours d'anglais. Là, maintenant. OK? I take English classes. Ou vous pouvez dire, I am taking English classes. Ça marche. Mais ce que vous ne pouvez pas dire, c'est I have been taking English classes. Cependant, dès qu'il y a, je prends des cours d'anglais depuis, et je vous ai dit, ça n'a pas besoin d'être des années. Depuis la semaine passée, automatiquement, c'est une action qui a commencé dans le passé, qui continue dans le présent. Donc ici, ce n'est pas I take English classes or English lessons. I take English classes since. Semaine passée, ce n'est pas the last week. OK, c'est juste last week. Oh, vous voyez, vous apprenez beaucoup d'autres trucs bonus également. Since last week. C'est semaine passée. Ce n'est pas la semaine passée en anglais. Alors, donc ce n'est pas correct. C'est plutôt quoi? I have been taking English classes. Et restez jusqu'à la fin, je vais vous donner un devoir de maison. English classes since last week. Oh, je suis tellement content parce que je me dis, maintenant les gens ne vont plus faire cette erreur. Tous ceux qui regardent cette vidéo ne vont plus faire cette erreur que j'entends tellement de fois. Le devoir de maison, je vais y penser là-bas. J'y avais pas fait avant. Mais je vais vous faire une phrase ici. Et vous allez mettre ça. Et ne cherchez pas sur Google Traduction. Hein, à quoi ça sert de tricher, n'est-ce pas? Mettez cette phrase en commentaire. Homework. Devoir de maison. Mettez-moi cette phrase soit au présent simple ou bien au present perfect progressive. Ne joues-tu pas au basketball depuis l'école primaire? Ne joues-tu pas au basket depuis l'école primaire? Donc, c'est une question négative. Et je vais épicer cela pour vous. Ne contractez pas l'auxiliaire. Don't contract the auxiliary. Ça veut dire quoi? Au lieu de haven't, c'est have not. Au lieu de hasn't, c'est has not. Au lieu de doesn't, ça doit être does not. Au lieu de won't, ça doit être will not. Donc, je veux un not dans la phrase. Ne joues-tu pas au basket depuis l'école primaire? All right, everybody, ce cours a été très court. C'est un cours court, n'est-ce pas? Donc, ce cours court, j'espère que maintenant, ça va vous aider à courir plus rapidement. OK. Donc, j'espère que ce cours va vous aider maintenant à avancer plus rapidement en anglais. Prenez une capture écran de ça très rapidement. Et cette phrase doit être en commentaire. Mettez cette phrase en commentaire. Peut-être que je vais choisir quelqu'un au hasard qui va trouver la bonne réponse à participer à notre programme d'immersion anglaise pour juste un mois. Et je sais qu'il y a des gens, vous souffrez de la traduction littérale du français en anglais. Vous traduisez tout le temps du français en anglais. Vous ne savez pas où vous donner la tête. Ne vous inquiétez pas, regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir le plan d'action pour commencer à penser directement en anglais. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.